man. That's the truth. We need to. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Oui, mes chers amis, vous avez la parole. N'oubliez pas, prenez votre combiné quand vous le voulez. Hein. Bien sûr, n'importe quelle révolution, n'importe quel mouvement de contestation, mes chers amis, il a besoin de trois choses. Organisation, programme et un guide, un leader, un chef. Chef, ce n'est pas une histoire de dictature, je ne sais pas quoi qu'on dit toujours partout, non. Symboliquement toujours, comme n'importe quel parti politique, n'importe quel établissement économique, vous devez avoir un directeur, ou un PDG, ou un chef de parti, n'importe quel parti politique. À l'époque, les communistes, ils disaient comité central. Même comité central, ils choisissaient un secrétaire général. C'est-à-dire toujours, il y en a une personne comme symbole de mouvement. Ça en dit chef, leader, charismatique. Vous avez besoin de ça. Malheureusement ou heureusement, vous avez toujours besoin d'un chef. Et un programme et une organisation. Organisation, il faut être adhérent, payer les abonnements, les adhésions pour pouvoir monter le cap, la capacité de votre mouvement politique. Alors, quand il y a un des trois absents, ou quand les trois sont absents, seulement les gens ils viennent dans la rue. Dans la rue, ils viennent pourquoi? Puisqu'il y a actuellement réseaux sociaux sur n'importe quel truc. Vous tapez, voilà, vous donnez rendez-vous, les gens ils viennent après, etc. etc. Mais vous ne savez pas c'est qui est derrière cette identité pour rassembler les gens. Et voilà. Et c'est pour ça que de temps, regardez, on va être franc. Franchement, on va être franc, c'est mon avis. Si vous êtes contre, vous avez le droit de venir, vous exprimer. Mais imaginez-vous, ça fait un an de mouvement Gilets jaunes, actuellement c'est effondré. La France avait 80, plus de 80 millions d'habitants, quelques centaines de personnes ou quelques milliers de personnes Gilets jaunes, qu'une grande partie c'est des casseurs, une partie, pas une grande, une partie, petite partie peut-être, une minorité c'est des casseurs, c'est le band, on peut dire. Pas James Bond, mais c'est des bandes organisées. Là, ils sont bien organisés. Ils viennent, ils cassent tout. Mais de l'autre côté, vous n'avez rien de tout. Vous n'avez pas, même pas une association assez forte avec plusieurs milliers d'adhérents de Gilets jaunes après un an. Après un an de contestations assez fortes. Qui a fait une grande bruit dans le monde. Dans le monde, on parle de Gilets jaunes français. N'est-ce pas? Mais pas de programme, pas de chef, pas d'organisation. Je ne parle pas de parti politique. Non, même une association qui soit forte, qui rassemble plusieurs milliers de personnes, il n'y en a pas. Ça, c'est un échec, à mon avis. Mais de l'autre côté, est-ce que le gouvernement a été entendu cette crise? Cette cri, cette contestation, cette manifestation populaire ou non, ça aussi, c'est à vous de me dire. Ils ont fait des changements, ils ont accepté certaines choses qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Seulement, on parle toujours, jusqu'à maintenant, ici et maintenant, impôt sur le fortune. C'est-à-dire, si demain, il vient et dit, voilà, 1%, je vais imposer impôt sur le fortune, vous allez être satisfait? Je suis sûr et certain que non. Je suis sûr et certain que non. Pourquoi?
puisqu'encore vous allez inventer d'autres choses. Et lui, il ne va pas faire ça. Pourquoi ? Puisqu'il avait promis de ramener les capitaux en France, que les gens qui sont en sécurité, les gens qui vont investir, c'est son argument, là, on peut être d'accord ou pas d'accord. Vous voyez ? Parce que de l'autre côté aussi, peut-être il le sait, s'il impose cet impôt, encore on va sortir d'autres choses. Pour ça, vous, je veux voir qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet, et vous pouvez composer votre numéro que vous le connaissez, 08 92 23 95 20. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche. 2, 3, 4. Le matin dans ton chalutier, même si la mer est très agitée, tu mets tes bottes, tu mets ton ciré, tu fais le plein d'essence et tu pars pêcher. Par-dessus les océans, contre marées et vents, tu vas défier les errants, même s'il est évident